Jaurès, gérant de cabine téléphonique diplômé du baccalauréat. À Toumoudi, dans la région du Bélier, au centre de la Côte d'Ivoire, où il est réduit à cette activité, ses efforts pour s'insérer dans la vie active se sont révélés vains. C'est le cas de beaucoup d'autres jeunes. Moi, je ne travaille pas. Actuellement, je suis à la recherche d'un emploi. On aide les gens à vendre les cahiers. Bon, comme la vente des cahiers est passée, donc on est à la maison en train de gérer la cabine pour avoir de quoi à manger. Face à la montée du chômage, la mairie de Toumoudi développe des solutions. À l'affiche, une séance d'information des jeunes sur les opportunités d'emploi offertes par le PGDEC, projet d'emploi jeune et de développement des compétences. Les conditions pour obtenir des emplois temporaires ou durables, des stages tant pour diplômés que pour personnes non qualifiées, sont passées en revue. Objectif, amener les jeunes à se faire identifier pour bénéficier du PGDEC. Pendant les élections, chaque équipe a pris un engagement pour 5 ans par rapport à la population. Et dans ces engagements, nous avons dit la priorité numéro 1, c'est l'emploi des jeunes. En lançant cette opération d'identification, la mairie de Toumoudi a offert du matériel informatique. Il s'agit de sécuriser les données et favoriser le succès de l'opération qui vise à terme à insérer 300 jeunes avec l'appui financier conjoint du PGDEC et de la mairie de Toumoudi.